Le carré a toujours été le centre d'un univers absolument étonnant. Pour moi, le carré Saint-Louis, ça évoque le poète Émile Nelligan. Et là, il y a une espèce de mélancolie, d'une douceur, d'une légèreté. C'est seulement après mon entrée à l'École nationale de théâtre que je me suis mis à découvrir ce quartier-là et à l'aimer beaucoup. Gaston Miron y habitait. Et puis souvent, il nous invitait. Il y avait un bureau là, pas très loin. J'ai élevé mon fils ici. Mon fils là, est élevé au parc. Max, il me remercie tous les jours en me disant « j'ai appris la vie ici ». Je m'y trouvais bien dans cet espace qui était très sablonneux à l'époque. Il y avait toujours cette odeur de houblon et dans l'atmosphère. Pauline habitait là, donc moi, elle était mon lieu d'arrivée. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, c'est bien de votre faute si je me souviens de vous.